peu plus de 21h entre le quai de Grenelle et Bir Hakeim, un couple de touristes étrangers, un touriste allemand né aux Philippines est décédé par des coups de couteau. Poursuivi par les policiers, il a ensuite agressé manifestement deux autres personnes dont leur vie n'est pas en danger. Une personne serait blessée d'un coup de marteau au niveau de l'œil et une autre serait particulièrement choquée. Il aurait également dit, de toute façon les caméras piétons des policiers ont été enclenchées, donc tout a été filmé, qu'il en voulait à ce qui se passait à Gaza et que la France serait complice de ce que faisait Israël. Et il aurait dit qu'il en avait marre de voir des musulmans mourir. Voilà ce que je sais moi, mais je laisserai évidemment le parquet témoigner de la véracité totale des faits lorsque tous les témoignages auront été recueillis. De l'assaillant, c'est qu'il est français né en France, il est né en 1997 à Neuilly-sur-Seine. Il est connu des services de renseignement et de justice. Il a été condamné à notre connaissance à 4 ans de prison. C'est l'information que j'ai au moment où je vous parle. Il les a effectués. Thank you.